Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 10e épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Alandra 2. Dans l'épisode précédent, on était toujours dans le fort noir, Alexia s'est faite kidnapper, et là on essaie de la sauver. Voilà, on avance petit à petit. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, merci à ceux qui commencent à regarder les rediffusions du Let's Play, parce que ça commence dès aujourd'hui. Comment j'enregistre le 10e épisode ici. Le premier vient de sortir sur YouTube, la rediff vient de sortir sur YouTube. Toi, me fais pas trop mal, je vais devoir aller me retourner me soigner à cause de toi. Alors, c'est pour ceux qui l'auront remarqué, je porte pas spécialement Alandra 2 dans mon cœur, mais par contre, le premier, oui, donc j'essaye de profiter du 2. Mais au final, on s'attache quand même au jeu, hein. Il est plutôt, ça reste sympa quand même. C'est le gros problème, c'est qu'il s'appelle Alandra 2, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est sympa. Ouais, déjà 6 ans Naoto pour la chaîne YouTube, donc enfin un peu plus de 6 ans même. Donc bah ouais, enfin Discord, je vais pas souvent. À la limite, c'est plus simple que tu me l'envoies en MP sur là sur Twitch Naoto. Sachant que en MP, j'ai pas les liens de bloqués. Hein. C'est vraiment que aïe. C'est que dans le chat où les liens sont bloqués, sinon sur Twitch tu peux envoyer un lien. Mais vous me faites mal vous. Non mais oh monsieur. Ouh, petit citron. Heureusement. Enfin, je dis des citrons mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Gigi, allume-le. Gigi, tourne-le. Ouais, je regarderai ça quand j'aurai l'occasion. Ok, donc ça sera pour ressortir. D'accord. C'était pas bête l'idée de tourner la caméra quand même. Donc il faut que je tourne. Ok, tout simplement, c'est un peu... Salut Olivier, comment tu vas? Aïe, ah ouais, j'avais pas vu la flamme, idiot. Ok d'accord, il y a une flamme qui me pourchasse. Ah d'accord, il faut que j'allume la torche. Il faut que j'allume la torche avec la flamme qui me pourchasse. Ok. Bon bah, let's go. Je peux pas l'élever ça. Je crois que là, je vais galérer un petit peu. D'accord. Est-ce que t'as passé un bon week-end, Olivier? Aïe! C'est quoi cette connerie? Des moments, le truc est. Il me suit plus et puis après il me re-suit. Et bah dis donc, c'est reparti pour la galère.
You, on a réussi. On a réussi. Libéré, délivré. Maintenant qu'on a ouvert le raccourci puis qu'on a activé ça, je vais peut-être aller me soigner un petit peu. Comme ça, je vais récupérer ma magie. Ça peut être pas si bête que ça. Et vous jouez à quoi, vous, les gars, en ce moment? En Néoto, t'es encore sur Valheim. Je crois t'avoir vu un petit peu bah, l'autre jour, je t'avais demandé quand tu m'avais fait la raid. Un petit Pokémon Ruby, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et Call of, ok. Bon, j'ai pas besoin de le tuer, hein, c'est juste plus. Je lui mets un petit coup histoire de passer tranquillement, mais je vais pas tuer tout le monde parce que. Après, ça ferait trop méchant. Et moi, je suis un gentil. Après avoir tué 200 monstres depuis le début du jeu, mais. Hop, il m'a même pas vu. Tu parles des OST de Pokémon? Ou tu parles de Alundra? Ouais, Pokémon, ouais, bah. Après, c'est quand même répétitif, hein, les OST, mais. Mais Pokémon Ruby est sympa, je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. De toute façon, à l'époque, c'était la dernière version que avec laquelle je m'étais arrêté. J'avais pas été plus loin que. J'avais pas été plus loin que Ruby. Hormis ces derniers temps où j'ai refait les suites, mais. Ouais, or argent était vraiment incroyable. D'ailleurs, il faudrait que je fasse Earth Gold et Soul Silver. En fait, j'ai tellement de jeux à faire à chaque fois, c'est compliqué. On a toujours le côté où on se dit, tiens, faut que je fasse ce jeu-là, faut que je fasse ce jeu-là. Je sais pas quelle porte s'est ouverte, mais non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté que ça s'est ouvert. C'est là. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de rajout dans Earth Gold et Soul Silver ou si c'est juste alors ça je suppose que ça nous ramène à l'extérieur donc ça ne m'intéresse pas. Ok, ça c'est de l'herbe, ça peut m'intéresser mais pas tout de suite. Aïe. Aïe aïe aïe. Alors j'espère qu'il faut pas que j'allume une torche parce que sinon ça va être chiant. Faut que j'allume une torche. Ok. Ok. Bon bah, let's go, hein.
plus, c'est pas comme si la caméra était un petit peu dégueu, mais... Ok, on l'a eu. Ouf. Eh ben dis donc. Par contre, je sais pas comment on atteint ce coffre-là, mais on verra bien. J'ai pris des dégâts. On va utiliser une petite herbe. Ça, je m'en suis bien sorti entre guillemets par rapport à tout à l'heure. Il y a des énigmes qui sont pas si faciles que ça hein, dans ce Alundra. Enfin déjà dans le premier il y avait des énigmes pas spécialement faciles mais... Ok, donc là il y a de l'air. Ok. Il y a un tonneau avec un chalumeau. On va explorer un petit peu. Je suppose qu'il va falloir que je traverse toute cette zone-là pour allumer un truc. Ok. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je refasse un peu de fléchettes pour... faudrait que je refasse un peu de fléchettes pour gagner des points, pour acheter éventuellement de la magie, etc. Où est-ce que je tombe là? Ok, bon, ça va. Ah non, ok, j'ai pas besoin de grimper là-dessus. Par contre, là, je suis un peu idiot. Parce qu'il va falloir que je retue les monstres. Quoi. Malheureusement, j'ai pas fait attention. Vouloir aller trop vite, des fois, on perd du temps. La musique est un petit peu angoissante sur ce niveau-là, mais... Toum, 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 toum.
Allez. Bon, allez, cette fois-ci on essaie de ne pas tomber, ce sera mieux. Hop, petit saut. Et on se balade avec un lance-flamme. Prenons notre temps. Ok. Bah viens, petite araignée. Il est quand même grand ce donjon. Je crois que c'est le troisième épisode qu'on fait dessus, donc plutôt grand. Puits de mine. Alors là, juste en dessous, j'ai fait attention parce que c'est une zone où on a déjà été. Et bah dis donc, je galère un petit peu. C'est pas compliqué, hein, mais faut prendre son temps. Que je suis là, j'en profite pour faire une petite sauvegarde, ça ne coûte rien.
On est déjà à 7h30 de jeu. Alors je pense qu'on va être à un peu plus de 30h à la fin, mais... Parce que je prends mon temps aussi, mais... Alors, la porte qui s'est ouverte, c'est la porte à droite, mais à gauche, mais je voulais vérifier que cette porte-là, elle ne s'était pas ouverte. Passage souterrain de Fort Noir. Ah. Je crois qu'on est bloqué. Heureusement, je suis soigné juste avant. Merci pour la fléchette. Il en restait une tout en haut. Ah, même deux. Il aime les araignées. Les araignées. Faire comme ça, hein, de manière fuir, revenir. T'es pas encore mort toi. Merci pour la fléchette. Ok. La caméra est quand même pas terrible. De toute façon, il me reste qu'une porte que j'ai pas ouverte, donc. Puis de mine. Par contre, il y a des coffres que j'ai pas récupérés. Hop, et ben on va retourner se soigner au minimum. Désolé. Pour faire une petite sauvegarde ici, ça ne coûte rien. Ça ne fait pas de mal, une petite sauvegarde. Hop, toi,
Oh non, laissez-moi passer. J'ai pas le temps, je suis pressé. Et ils sont coriaces, hein. Ils veulent pas nous laisser tranquilles. Salle des ascenseurs du fort. Ok. Ok. Petite pièce de puzzle. Donc ça doit en faire 7 ou 8, je crois. Et on a vu qu'il nous en fallait 12 pour la prochaine technique. De toute façon, au final, je peux passer par là, ça va me faire gagner du temps. Oui, par là. Je cherche la route alors que je reviens. Bim, toi, t'es par terre. Bim, toi, t'es par terre. Aïe. Bon, là, c'est moi qui suis par terre, mais... Je pense que là on doit vraiment approcher de la fin de la zone. Let's go. Salle des ascenseurs. Alors, deux choix s'offrent à nous. Là, il y a une échelle. Et l'ascenseur. Ok, bon. Il y a un coffre. Je suppose qu'on aura l'occasion de le récupérer plus tard. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Pop-up. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des herbes. Enfin, une herbe. Un petit tonique. Bah, je crois que c'est parti. Hein. Je pense que là, ça va être le boss. Voici.
voici donc le jeune héros qui est venu sauver le monde. Vous savez ce que je pense des héros. Ils font un déjeuner exquis. C'est une grosse araignée. C'est une grosse araignée. Elle donne pas envie de lui faire un câlin. Aïe. Fait dégommer. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal aussi. Je pense qu'il faut la taper plusieurs fois. On voit les barrières qui bougent, mais... faut y arriver à taper, quoi. Ok. Il n'y a plus de barrière. Heureusement que j'avais des herbes. Aïe. Pas si compliqué que ça, mais comme je suis pas doué. Ouais, Aragog, Harry Potter, où est Hagrid? En soi, le combat est pas dur. C'est juste que faut faire attention aux attaques.
Hop. Des sous, des sous. Orbe d'éléments. Ok, ça me donne 100 PE en plus. D'accord. Des fois, la caméra est quand même bien pourrie. Mais... Oula, il y a des gardes. Il y a des gardes, il y a des gardes. Ah bah, il y a Alexia aussi. Il y a Alexia qui est juste là, mais non, moi je m'en vais. Je m'en vais parce que on va se soigner, les amis. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch va continuer tout de suite, donc bah, restez connectés. Et bah, YouTube va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Alundra 2. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!